Voici le guide complet des défis du 6e anniversaire de Fortnite. Le premier défi va vous demander de souhaiter un joyeux anniversaire au chauffeur du bus. Donc quand vous êtes dans le bus, vous allez tout simplement appuyer sur votre touche Emote pour souhaiter un joyeux anniversaire au chauffeur. Dès que ce sera fait, ben là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de danser avec des personnages dans plusieurs parties différentes. Donc pour réaliser ce défi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans vos personnages. Ensuite, là où vous voyez des personnages avec un petit logo de munitions, d'explosions, de jumelles, de soins, etc., vous allez pouvoir recruter ces personnages. Donc moi, j'ai été près de Vicky Velos. Là, je vais parler à Vicky, je vais la recruter. Donc je la recrute comme ceci, voilà. Et là, maintenant, je vais tout simplement faire une émote. N'importe quelle émote, normalement, ça fonctionne. Attendez, je vais activer mes renforts. Donc là, je vais faire n'importe quelle émote et normalement, elle va danser avec moi. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de danser avec les personnages dans deux parties différentes. Dès que ce sera fait, ben là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir 3 cadeaux d'anniversaire. Et les cadeaux d'anniversaire, ils spawnent aléatoirement sur la map, comme ça posé au sol hein, sur Fortnite. Et il va falloir avoir de la chance parce qu'il n'y en a pas énormément et ils sont difficiles à trouver. Mais bon, ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est d'en obtenir 3. Dès que vous en aurez récupéré 3, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'atterrir 4 fois pendant le 6e anniversaire de Fortnite. Donc pour réaliser ce défi, vous avez juste à lancer 4 parties et atterrir sur la map 4 fois pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de manger 6 gâteaux d'anniversaire. Donc pour réaliser ce défi, c'est très simple, vous allez vous rendre dans n'importe quelle ville sur Fortnite, par exemple à Slappy Shore, Brutal Bastion, n'importe quelle ville, et en plein milieu de la ville, logiquement, il y a un énorme gâteau d'anniversaire et vous allez devoir en manger 6 parts de ce gâteau, comme ceci. Dès que vous aurez mangé 6 parts, bah là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'utiliser 6 ballons. Alors les ballons, vous allez pouvoir les trouver dans des coffres ou poser au sol comme ça sur Fortnite. Dès que vous avez des ballons, vous allez devoir en utiliser 6. Voilà, vous les accrochez à votre dos, ensuite vous les lâchez et vous en réutilisez 3 autres pour en utiliser 6 et dès que ce sera fait, ben là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de faire 6 parties, donc là vous avez juste à lancer 6 fois une partie pour terminer le défi. Et le dernier défi va vous demander de mettre KO 6 adversaires. Donc pour mettre KO les adversaires, c'est tout simple. Hein. Quand vous les tuez, ils sont en PLS comme ceci. Si vous êtes en solo, ça les mettra directement KO. Enfin, ça les tuera, mais ça fonctionnera aussi. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement mettre KO 6 adversaires. Et dès que ce sera fait, ben là, vous aurez terminé les défis. Code créateur SCL.